Et nous passons à la question numéro 20, qui parle toujours du quartier Saint-Gervais. Cette fois-ci, on parle de requalification du quartier Saint-Gervais et d'une convention avec l'EPF pour l'étude préopérationnelle d'urbanisme. La ville d'Avranches a décidé de lancer une étude d'urbanisme pour la requalification du quartier Saint-Gervais. En effet, ce quartier, un des plus anciens de la ville, se trouve depuis quelques années confronté à une vacance de plus en plus importante des logements et locaux commerciaux. Pour ce faire, elle a fait appel à l'EPF, établissement public foncier, afin qu'une étude préopérationnelle soit réalisée. Une convention doit être signée avec cet établissement. Elle pose le contenu de l'étude, sa maîtrise d'ouvrage, ainsi que les modalités de son cofinancement. L'étude se compose en trois phases. Phase 1, approche urbaine du quartier dans la ville, mise en perspective des diagnostics réalisés et diagnostics complémentaires si nécessaire. Phase 2, proposition ciblée d'intervention à visée opérationnelle au regard des problématiques et de l'attractivité. Et phase 3, proposition de traitement urbain, immobilier ou commercial et évaluation financière. Une concertation avec les habitants du quartier Saint-Gervais sera mise en place pendant l'étude. Le coût total de cette étude est évalué à 48 000 euros TTC, montant plafonné. Le financement de cette étude est réparti de la façon suivante, 50% à la charge de la commune, à concurrence de 24 000 euros TTC, 50% à la charge de l'EPF, à concurrence de 24 000 euros TTC. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission Urbanisme et Travaux, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette affaire. Donc 48 000 euros, c'est la somme maximum, hein, c'est le plafond auquel l'EPF était prêt à participer. Donc on peut imaginer que la somme sera moins importante. Merci. Donc c'est une étude qui est dans les tuyaux depuis plusieurs mois, puisque nous avons rencontré l'EPF au printemps, hein, pour évoquer cette question. Donc le cahier des charges a été rédigé pour le recrutement de ce cabinet. Et l'objectif, c'est bien d'avoir entre les mains, à l'issue de cette étude, un véritable outil opérationnel pour pouvoir engager des actions concrètes sur l'ensemble de ce quartier. Un quartier qui, vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, représente un véritable enjeu urbain pour la ville d'Avranches, avec certaines friches urbaines à reconquérir et puis sans doute un bâti nouveau à concevoir, tant à des fins résidentielles, commerciales que culturelles peut-être. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette étude nous semble aujourd'hui indispensable du fait aussi de l'achèvement proche de notre plan local d'urbanisme et puis de l'avancée rapide de notre AVAP qui s'intéresse aussi de manière assez précise à ce secteur de la ville. Bien, y a-t-il des... Alors, il y a Émilie Capel qui veut prendre la parole. Il y a aussi... Enfin, je trouve intéressant qu'actuellement, il y a donc un nombre d'habitants du quartier qui essayent de... Enfin, qui se voient pour faire des animations et qui se sont lancés dans la création d'une association, enfin, pour leur quartier. Et puis aussi, parallèlement, enfin, je trouve que c'est bien puisque tout se répond, on va dire, puisqu'il y a aussi des étudiants... du lycée de Coutances qui font actuellement une étude paysagère et architecturale sur le quartier, et donc ça, toutes ces données se recoupant, enfin je pense qu'on aura pas mal de données intéressantes. Dans la délibération, on parle du quartier Saint-Gervais comme l'un des plus anciens quartiers de la ville. On doit même pouvoir affirmer que c'est le quartier le plus ancien, dans le sens où la ville antique a commencé à se déployer exactement à cet endroit. Nous avons eu cet été un diagnostic archéologique qui s'est déroulé sur le site de l'ancien bâtiment Tabur, c'est-à-dire sur le parking qui est aujourd'hui aménagé au nord de la basilique Saint-Gervais. Et le résultat de ce diagnostic, alors qu'il n'est pas encore publié, hein, a révélé une occupation très précoce de la ville, à quelques mètres, hein, à 1,50 m sous la chaussée actuelle, on a les traces, les preuves d'une occupation d'Avranches, d'une urbanisation d'Avranches, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Notre ville naît vraiment à cet endroit il y a un peu plus de 2000 ans. Et c'est très intéressant de voir que les enjeux urbanistique actuelle de ce début de troisième millénaire nous ramène à cette localisation précise. C'est-à-dire que c'est bien à nous de refonder la ville, au moins d'essayer de la refonder, de la rénover en repartant de ses origines. Philippe,
d'autres... Oui, donc juste préciser que dans le cadre du PLU, on a aussi mis en place une servitude sur ce quartier-là pour aider justement à ce que les opérateurs puissent travailler mieux sur ce quartier pour les années à venir. Et aussi dans le cadre du PLUI hein, communautaire, il a été identifié une vacance, un certain nombre de sur Pont-Orson et Avranches, et certainement que dans les années à venir, il pourrait y avoir des outils en commun entre la communauté, la future communauté d'Aglo et la ville d'Avranches pour aider à revitaliser des quartiers comme ces quartiers-là. Voilà. Merci de ces précisions. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais mettre aux voix cette question numéro 20. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question numéro 20 est adoptée.